Messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Notre vieil ami, Monsieur Stagg, a manqué à son devoir qui consistait à garder le déluge chargé et prêt pour l'opération. Nous allons devoir nous en occuper nous-mêmes. Je veux des hommes au laboratoire de recherche pour transporter les cellules d'énergie et charger le dispositif. Et je veux encore plus d'hommes pour les défendre. Ne me décevez pas. La nouvelle formule est une merveille. Alfred, Stagg et l'épouvantail collaboraient sur un projet portant le nom de Code Déluge. Mais dans ce cas, monsieur, pourquoi l'épouvantail attaque-t-il Stagg? Stagg a dû essayer de le doubler. Il veut le dispositif. Je vous débloque l'accès au réseau informatique de Stagg. Cherchez ce que vous pouvez trouver sur le déluge. Je veux savoir ce que c'est. Entendu, monsieur. Pitié, laissez-moi partir! J'ai tant d'argent que même Batman ne pourra pas nous stopper! Mais t'as pas pu t'empêcher de trahir l'épouvantail encore un peu plus! Écoutez, je regrette. Je suis vraiment désolé. Oh non, tu l'es pas encore. Quand la toxine de l'épouvantail remplira ta cellule, par contre là, oui, tu le seras. Oh pitié, non!
J'ai vu ce que cette chose faisait. S'il vous plaît, aidez-moi. En neutralisant la mitrailleuse, je risque d'attirer l'attention. Je devrais m'en occuper en dernier. Très bien, messieurs. Il faut qu'on charge le déluge et qu'on empêche Batman d'atteindre le boss. Manquez un seul de ses objectifs. Et je veillerai en personne à ce que vous preniez un grand bol de gaz avec Stagg, compris ? Il est parti ? Il est parti, je crois. Il attend une autre ouverture. Ne lui donne pas. T'entends ? On connaît des trucs, Batman ! Tire-toi ! Notre travail touche à sa fin. Mes calibrages sont presque terminés et le déluge sera bientôt chargé. D'ici là,
ici. Dispersez-vous et trouvez-le. Minez ces points d'observation. Je vais voir le gars que Batman a eu. La centrifugeuse inférieure. Je te couvre. N'arrête jamais! Si vous saviez ouvrir les yeux, on n'en serait pas là, bande d'imbéciles! Hé, laisse tranquille! Je vous dirai tout! Je serai meilleur soldat que toi! Laissez-le! Chacun fait gaffe à sa peau! Utilisez le au sol! Bien vu! Non! Batman est sous-vendu! Détruisez les gars et dépêchez-le! Tu vas avoir peur à moi! Ignores-tu, chevalier noir, qu'on ne peut combattre la peur? Laissez-moi partir! J'ai tant d'argent que même Batman ne pourra pas nous stopper! Mais t'as pas pu t'empêcher de trahir l'épouvantail encore un peu plus! Écoutez, je regrette. Je suis vraiment désolé. Oh non, tu l'es pas encore. Quand la toxine de l'épouvantail remplira ta cellule, par contre là, oui, tu le seras. Oh pitié, non! J'ai vu ce que cette chose faisait! S'il vous plaît, aidez-moi! Je vous en neutralisant la mitrailleuse, je risque d'attirer l'attention. Je devrais m'en occuper en dernier. Très bien, messieurs. Il faut qu'on charge le déluge et qu'on empêche Batman d'atteindre le boss. Manquez un seul de ses objectifs, et je veillerai en personne à ce que vous preniez un grand vol de gaz avec Stagg, compris ? Thank you.
sol. Bien vu. À mon tour. Batman est sous vos pieds. Détruisez les grilles et débusquez-le. Charge thermobarique déployée. Thank you.
le déluge sera l'instrument de ma vengeance. Si vous ne parvenez pas à le préparer, c'est sur vous que ma vengeance s'abattra. Je vous ai choisi. L'épouvantail sera contrarié. Et il a une façon bien à lui. Non, maintenant. Je ne peux pas encore faire ça. Continuez de me fournir des cellules. Me faire sortir d'ici! Ils sont cinglés! Vous m'avez menti. C'est votre dernière chance, Stagg. La dernière! Bon, d'accord. Écoutez, l'épouvantail m'a contacté. Il avait besoin de mon aide pour le déluge! À quoi il sert? Non! Les laissez pas me toucher! Ce foutu déluge, Stagg. Dites-moi à quoi il sert! Je ne sais pas! J'en ai parti sur la peau! Ah, ils sont en train de me grimper sur le visage! Je devrais vous abandonner à vos cauchemars. C'est maintenant le moment qu'on attendait tous les deux. L'épouvantail est en bas. Veux-tu l'arrêter et sauver Oracle? Ou vais-je encore profiter de ce gaz délicieux pendant qu'elle meurt sous tes yeux impuissants? Comment on décide?